année, c'est les prix mondialement évoqués par des actions et des manifestations. Le 1er mai, c'est bien sûr l'occasion de souligner nos luttes, nos victoires, celles du passé, nos luttes actuelles et celles à venir. C'est aussi le moment de manifester une fois plus notre résistance et les attaques de toutes sortes que l'on subit quotidiennement, de la part des patrons, de la part de ceux qui se consacrent à défendre et à maintenir le système capitaliste d'exploitation et d'oppression qui est à la source de toutes les inégalités. Qu'on exprime aujourd'hui, c'est une aspiration collective à mettre fin au capitalisme et à vivre dans une société où on va être libre de lutter et de mettre en place les mécanismes qui vont permettre de mettre fin à toute forme d'oppression et d'exploitation. Les dégâts qu'ils causent, la course au profit, la collusion entre les grands détenteurs du capital est partagée par des millions et des centaines de millions de gens partout dans le monde. Notre colère est nécessaire et son expression est légitime. Of police station 20, heavily reinforced, police officers with the batons out. Okay, we've got some rocks being thrown, fireworks, eggs, a lot of objects being thrown at police right now, flares, more fireworks being thrown, so we are most likely going to have tear gas or rubber bullets thrown soon. You got me? And we've got the tear gas. Tear gas deployed on McCade, St. Catherine. Derek. Just go ahead. Sorry, she won't be. C'est du gaz. Ouais. Ah, tabac, ça va brûler dans pas longtemps. Bon, laisse, messieurs.